Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, je me retrouve sur les parois d'escalade du nouveau site de la Chute Neigette, tout près de Rimouski. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Je me retrouve avec François Genin. François, tu es le directeur général et instructeur à Ricky Block, en fait, qui est le centre qui se trouve à Rimouski. Puis aujourd'hui, on se trouve sur un site assez exceptionnel. On est aux Chutes Neigette. Et c'est un site d'ailleurs que vous avez ouvert depuis l'été dernier, un site enchanteur, on va dire. Comment est-ce que ça se passe là au niveau de l'escalade à cet endroit? Bien oui, en fait, l'escalade à la Chute Neigette est officiellement accessible depuis juillet, donc 2019. Puis c'est vraiment un succès retentissant parce que ça manquait dans la région de Rimouski, un site qui est accessible à l'ensemble de la population. Donc on retrouve aussi bien ici des grimpeurs qui viennent grimper en autonomie, qui connaissent ça un petit peu, qui peuvent s'installer des affaires là en haut. Ouais. Puis bien, nous autres, on donne aussi des cours ou bien des initiations pour les personnes qui connaissent moins ça. Parce que c'est ça aussi ce que vous faites, Ricky Block, c'est que vous démocratisez un petit peu l'escalade là. Bien, tout à fait. C'est ça notre mission, c'est vraiment de rendre l'escalade au sens large accessible. Donc nous autres, à la base, bien, on opérait et on opère toujours un centre d'escalade de bloc. Escalade de bloc, c'est vraiment la façon idéale de commencer. Il n'y a pas besoin de savoir comment manipuler une corde. On peut juste grimper sur les prises d'escalade, 4 mètres de hauteur. On se familiarise avec la gestuelle. Puis bien, quand, en fait, le sport, là d'où ce qui vient, bien, c'est l'escalade sur les falaises. Donc la prochaine étape, c'est de voir si on aime ça vraiment, là, d'aller à l'extérieur puis d'expérimenter bien, sur du véritable rocher avec des prises qui sont là de façon permanente. Là. Lorsque vous ouvrez un nouveau site d'escalade comme celui-ci, quels sont les défis auxquels vous faites face en fait? Ça prend des assurances. Donc ça, c'est avec la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade. Donc il y a une entente qui est signée entre la Fédération, la ville et qui couvre l'ensemble des participants qui pratiquent la discipline ici. Ça couvre aussi, ça fournit à la ville des assurances en responsabilité, ce qui est très rassurant. Et donc, une fois que ces ententes sont mises en place, eh bien, on a l'autorisation de venir et faire des aménagements. Donc, ces aménagements, ça va être de placer des ancrages permanents. On va perforer des trous dans la roche à différents endroits. On va mettre des points de progression, qu'on appelle. Puis, ces points de progression vont permettre de s'assurer à différents endroits de la progression sur la paroi. Alors aujourd'hui, François, tu vas me faire découvrir ce site. Je suis débutante dans l'escalade, j'en ai déjà fait, mais là, tu vas m'emmener sur un chemin en particulier. Qu'est-ce qu'on va faire exactement aujourd'hui? Je vais t'emmener dans un secteur qui est effectivement assez facile. C'est la beauté de ce site, c'est qu'il y a des voies qui sont quand même plus réservées aux experts, aux intermédiaires et aux débutants aussi. Donc là, je vais t'emmener dans une voie qui est parfaite pour les personnes qui n'ont pas encore des tendons renforcés par 25 ans d'exercice. Ouais. Donc, tu vas avoir bien du plaisir sur cette voie. C'est vrai que quand on fait de l'escalade, des fois, on se découvre des nouveaux muscles. Donc, ça va être parfait comme ça. Tout à fait. Puis, je n'ai pas l'intention de te faire souffrir aujourd'hui. Ça va être juste du fun. Super. Bon, ben, on y va. Je m'appelle Véronique Bilodeau, je suis auteure, compositrice, interprète de Rimouski. J'ai commencé à écrire des chansons vers l'âge de 12 ans. C'est quelque chose qui m'a suivi tout mon secondaire, puis aujourd'hui, ben, c'est mon métier. On a remonté le temps en une seconde. L'été de nos 20 ans défile dans nos regards.
quand j'écris une chanson, c'est vraiment différent d'une fois à l'autre. Il y a des chansons que ça va être vraiment une idée de texte qui va me venir, ça va être vraiment comme une expression, des mots qui vont m'inspirer. Puis il y a d'autres chansons où je vais vraiment juste m'asseoir à mon clavier ou prendre ma guitare, puis juste filer un groove, là, vraiment, là, puis essayer d'explorer autour de ça. J'ai commencé dans la dernière année à beaucoup explorer autour des arrangements. Fait que, tu sais, je m'assois avec mon ordinateur puis j'essaye vraiment des choses un peu éclatées que je me dis tout le temps, ah, oh, c'est sûr que ça, là, ça va être juste pour le fun, puis j'essaye juste de m'amuser avec ça. Puis finalement, bien, ça tourne en chanson. Fait que des fois, ça part vraiment d'une expression du texte, puis d'autres fois, ça part vraiment de ce que la musique m'apporte, de ce que ça me fait ressentir. Puis je suis une personne assez physique par rapport à la musique. Là. Pour moi, c'est comme je le ressens partout dans mon corps. Là. Genre, pour moi, le gros, c'est vraiment important. Fait que je m'inspire vraiment surtout de ça pour composer la musique. Tu m'as prise au ventre en une seconde écart. Au milieu de la foule, un éclair dans le noir. Tu as reconnu en moi nos promesses manquées. Ce que j'aime faire, c'est utiliser l'amour comme un peu un prétexte, mais j'aime toujours ça qu'il y ait comme un double sens en arrière. Puis je trouve que l'amour, c'est toujours tellement universel que c'est vraiment une thématique qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis il y a toujours aussi cet aspect-là personnel en arrière des chansons, tu sais, une touche vraiment... On sent vraiment que c'est moi qui écris, on sent vraiment que je parle de moi, de ma vie, puis ça, je trouve ça vraiment intéressant d'aller chercher ça parce que je trouve vraiment que quand on l'écoute, c'est vraiment comme si on écoutait un journal intime un peu. Là. Puis je pense que c'est plus facile de se reconnaître dans les textes à cause de ça. Tu verras la porte s'ouvrir, se refermer des centaines de fois. Rentrer des silhouettes inconnues comme des amis chez toi. Je viens de Rimouski, j'ai grandi à Rimouski, puis pour moi, c'est vraiment une fierté de venir d'ici parce que j'ai eu la chance de grandir avec le fleuve à côté de moi là, tout le temps, puis je l'ai même pris pour acquis pendant un temps, jusqu'à temps que je déménage à l'extérieur de la ville. Mais c'est sûr que la journée où je suis déménagée, j'ai vraiment capoté. Là, j'étais comme, oh mon Dieu, je reveux mon chez-nous, je veux revenir. C'est sûr que vivre à Montréal, c'est vraiment le fun parce que t'es proche de tout. Puis c'est un avantage justement qu'au jour le jour, pendant la semaine, mettons, je peux voir l'avantage. Là. Tu sais, je suis vraiment proche de tout. Je peux aller à des lancements, je peux rencontrer des gens. C'est plus facile d'aller faire des rencontres ou d'aller en studio, disons, là, parce qu'il y a plus d'infrastructures là-bas, puis etc. Mais pour moi, le Bas-Saint-Laurent, ça a toujours été hyper important, puis ça le reste encore. Tu verras tes certitudes te glisser des mains et je ne pourrai rien y faire. À défaut d'avoir su comment faire mieux, je te regarderai sans détourner les yeux. Bon, la prochaine année, je vais travailler à un nouveau projet d'enregistrement. Cette année, ça va me servir à vraiment conclure la phase de mon premier album, Celui vivant. Fait qu'on lance un dernier extrait radio, puis après ça, moi, je rentre en studio à l'automne 2020. Je pense qu'à la fin de la production de mon album Soleil Vivante, que j'ai autoproduit, là, dans le fond, c'est vraiment, j'ai été derrière chacune des étapes, j'étais vraiment brûlée. J'étais comme plus capable, là, parce que, pas que j'aimais pas ce projet-là, mais que je l'ai tellement porté longtemps sur mon dos qu'à un moment donné, juste de l'enlever puis de faire « ça ne m'appartient plus », j'étais vraiment soulagée. Puis là, à la veille de rentrer en studio à l'automne 2020, on dirait que j'ai vraiment hâte, je me sens comme un enfant. T'sais, j'ai hâte de retoucher un peu à tout ça, mais de le faire dans le plaisir et non dans les deadlines puis dans genre, OK, on se dépêche, il faut que ça sorte telle date. T'sais. Fait que je veux vraiment, le faire dans le plaisir. Fait que je pense que c'est ce qu'on pourrait me souhaiter pour la prochaine année. On ne sera jamais perdu, on aura échappé belle. Pas besoin de tout savoir tant qu'on sait se comprendre. On ne sera jamais perdu, on aura échappé belle. Je m'appelle Mario Bélanger, puis j'ai animé un atelier de rédaction et les gens devaient faire une nouvelle. C'est-à-dire, sur 6 semaines, il fallait qu'ils rédigent une nouvelle de 10 à 15 pages à peu près. Quand on fait un atelier comme ça, l'avantage, c'est que les gens ne sont pas tout seuls dans leur bureau à écrire. C'est qu'on amène à chaque semaine la partie de la nouvelle qu'on a faite, le plan ou les premières pages, et on le travaille ensemble.
Chacun dit des commentaires sur ce que l'autre a fait. Ça enrichit la nouvelle aussi. Ça permet d'éviter des erreurs, de corriger des fautes ou des structures de phrases, tout ça. Fait qu'on travaille très fort ensemble. Et au bout de deux mois, c'est arrivé juste avant le début de la pandémie, on a été chanceux. Et au bout de deux mois, bien, on a réussi à produire 8 nouvelles qui nous semblaient assez intéressantes pour les publier. Ce fut ensuite la course jusqu'à la voiture de Jocelyne au bout du stationnement. Elle voulait fuir à toutes jambes devant la menace. En jetant un regard derrière, elles aperçurent Rosaire et son épouse, qui les poursuivaient hâtivement. Il faut bien dire que ce n'est pas des spécialistes qui ont écrit, c'est des gens qui avaient le désir d'écrire. Mais comme je disais aussi, c'est pas comme une classe de secondaire où il y a de la discipline à faire, puis il y en a qui sont pas intéressés. Quand les gens s'inscrivent à ça, c'est parce qu'ils sont intéressés, puis ils ont quelque chose qu'ils veulent faire aussi. Ils veulent produire, c'est des gens, c'est des adultes consentants qui veulent faire quelque chose d'intéressant. Alors, c'est plus facile pour un animateur d'atelier de travailler avec ces gens-là. J'aime les mots. J'aime l'écriture, puis je connaissais Mario, puis je me suis inscrite à son atelier. Puis là, ben j'ai commencé à écrire une nouvelle, à chercher dans la nouvelle. Puis finalement, c'est le processus de la mort de mon fils qui est remonté. Alors, comme il s'est enlevé la vie, ça dépasse, sa réalité dépasse la fiction que je pouvais m'imaginer. Alors, j'ai écrit là-dessus. L'éducation du cœur passe par celle du regard. Il est temps de découvrir la beauté de notre nature profonde et de faire un corps à corps avec notre fil d'amour. La liberté de s'aimer soi-même pour donner du sens à la vie. Voilà le don de ton testament, mon fils. Maman qui t'aime encore et encore. C'est stressant parce qu'on a toujours peur de ce qu'on a écrit. On ne veut pas trop... On a toujours peur de le partager, mais une fois qu'on l'a partagé, bien là, il peut grandir. C'est toujours un processus d'intériorisation, extériorisation. Alors, ça permet à la vie de prendre sa place. Quand je suis revenue chez moi, là, j'avais cette image-là en tête, je fais quoi? J'ai presque regretté. Je serai jamais bonne. J'ai jamais vraiment écrit. J'ai beaucoup hésité, mais j'ai foncé. Le premier cours, je me suis présentée et les suggestions étaient vraiment inspirantes. Et là, je me suis rapidement rendu compte que moi, j'avais besoin d'images. Et là, à coup d'images, j'ai réussi à me plonger dans une histoire où... Bon, j'arrivais à faire avancer, j'ai imaginé mes personnages, mais vraiment, pour arriver à écrire, fallait que je rentre dans la peau de mes personnages. À peine la mi-novembre, plusieurs centimètres de neige masquent le sol gelé. Pas déjà l'hiver. La journée commence tout en douceur, sous un soleil radieux. Mais voilà qu'en début d'après-midi, s'engouffre massivement dans l'anse de Saint-Luce un épais brouillard qui, suivant son habitude, ira cajoler les flancs du Mont-Commis. Vers 13 h, la radio annonce en boucle que l'aéroport de Mont-Joli a perdu le signal d'un petit avion Cessna qui devait atterrir sous peu. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par l'écriture. Je pense que c'est important de favoriser ça. Puis le fait de travailler en atelier permet de voir d'autres personnes aussi qui ont des questionnements semblables. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la littérature. Puis, avec la pandémie, c'est sûr que ça restreint nos possibilités de regroupement, mais on est en train de regarder à l'association. Je fais partie de l'association des aînés, moi aussi. Puis, on est en train de regarder s'il n'y a pas des possibilités de le faire avec Zoom, par exemple, sur Internet. Peut-être qu'il y aurait des possibilités de travailler chacun chez soi, mais avec des échanges à distance, qui permettrait peut-être de faire d'autres réalisations de ce genre-là aussi. C'est à l'étude. On est arrivé. Ouais. Tu vois, on a une petite corde d'installer ici. Donc, c'est ici que je vais te faire grimper. La première affaire, on est rendu au bas de la paroi. Fait qu'on va tout de suite mettre notre casque. OK. Donc, on va faire un test pour s'assurer que le casque, il tient comme il faut sur la tête. Fait, excellent, tu le mets comme ça. On ne met pas tout de suite ici la petite sangle. Il faut on va la tête. Serrer
la sangle et on va baisser la tête et voir si notre casque y tient. C'est bon. Excellent, c'est parfait. Voilà. Fait que là, on peut mettre la petite sangle, surtout pas s'étrangler avec, pas la serrer trop. C'est parfait pour le casque. La prochaine étape, c'est enfiler notre harnais. Alors, le harnais, tu vois, il y a ici une ceinture principale. Mm-hmm. Puis il y a deux boucles pour les jambes. Ouais. Fait qu'on va enfiler ça comme des culottes. C'est important que ça soit assez haut. Mm-hmm. Parce que si jamais tu te retrouves la tête à l'envers, il faut que ça tienne dans les deux sens. Okay. Il va rester encore tes chaussons d'escalade. Je pense pas que tu aies le goût de grimper avec ça. Non, pas en gougoune, en effet. Je vais mettre mes chaussures à l'instant. Parfait. À savoir que c'est jamais les chaussures les plus confortables, les chaussures d'escalade, parce qu'on a toujours un petit peu les orteils pliés au bout. Effectivement, c'est moins confortable que des chaussures de ville. Puis c'est le but, pour avoir plus de précision et de rigidité au bout des orteils, il faut qu'ils soient un petit peu recroquevillés. Mais en général, on les porte pas pendant 5 heures, on les porte le temps de la grimpe, ce qui dure 10, 15, 20 minutes, puis on les enlève. Ouais. T'es pas mal équipé. La prochaine étape, ça va être de t'encorder. Je vais m'encorder à l'autre bout de la corde. Je vais t'assurer, tu vas pouvoir commencer à grimper. Comme ici. Excellent. Tu passes dans la petite porte. Là, il fait le tour, il passe en dessous. Tu l'as. Puis là, pour le serrer, tu vas prendre deux cordes au hasard de chaque côté et le serrer. Comme ça? Aléatoirement, ouais. Tu vas faire ça plusieurs fois, aléatoirement, une fois ces deux-là, une fois ces deux-là, une fois deux autres. Excellent. 3-4 fois, c'est parfait. Donc là, Alicia, tu es encordée grâce à un nœud d'encordement en 8. C'est un nœud qui va serrer de plus en plus que toi, ton poids va tirer dans la corde. Moi, je vais me mettre à l'autre bout de la corde, je vais te tenir, puis je vais m'aider au moyen de ce qu'on appelle un dispositif d'assurage. Celui-ci, c'est un gris-gris, mais il existe aussi, et avant, on utilisait plus ce qu'on appelle des tubes. Un tube, eh bien, ça bloque aussi, mais ça bloque moins, ça t'aide moins à assurer que ceci, qui est encore plus facile et encore un petit peu plus sécuritaire. Bon, ben François, départ? Alicia, t'es assurée. On va essayer de se chercher une bonne prise franche à chaque fois, puis que ça soit pour le pied ou la main, et on va avancer par étapes. Alicia, sens-tu la tension dans la corde en ce moment? Oui, je la sens, puis ça me... T'sais, je réalise que si j'avais tendance à tomber par en arrière, ben que tu me soutiens, finalement. C'est en plein ça, le but. Ça, c'est le fun. On sent en sécurité. Ça se veut rassurant et sécuritaire. Exact. OK! J'ai fini! T'as fini? Oui. Tu peux t'asseoir dans ton harnais, c'est parfait. C'est magnifique, la vue qu'on a. La rivière. On voit presque les poissons vus d'ici, tellement l'eau, elle est claire. Donc là, est-ce que tu vas me descendre en rappel? Je te laisse le choix avec tes mains. Tu peux soit te mettre les deux mains sur la corde, c'est parfait comme ça, c'est sécurisant. Puis je vais t'inviter tes jambes, tu les écartes un petit peu, histoire d'avoir une position d'équilibre. Et parfait, tu vas marcher à reculons sur le mur, comme si le mur était horizontal. Et moi, je vais te descendre tranquillement, tu vas faire des pas en arrière. Super. C'est la fin! Ici, on était dans le secteur école pour aujourd'hui. Ben écoute, une journée complète, on aurait le temps de déplacer notre corde là, puis là, puis là, puis d'essayer tout ce qu'on aurait le goût d'essayer. Une journée comme ça, on aurait le goût de faire toutes les montées finalement, puis de profiter du site là, toute la journée. Merci pour la belle expérience, Stéphane. Ben écoute, ça m'a fait très plaisir, Alicia. Tu as eu l'air d'avoir aimé ça. Moi, oui, je suis heureux, vraiment. Je suis très heureux de voir ça.